Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la correction de l'exercice numéro 1 sur les structures algébriques proposées au bac Sciences Math à l'examen du baccalauréat Sciences Math A et B de 2011 lors de la session de rattrapage. Alors voilà l'énoncé. Pour tout x, y de l'intervalle i ouvert 0, 1, on pose x étoile y est égal à xy sur x plus y plus 1 moins x qui multiplie 1 moins y. La première question, dans cette petite question petit a, montrer que étoile est une loi de composition interne dans I. La question petit b, montrer que la loi étoile est commutative et associative. La question petit c, montrer que I, menu de la loi étoile, admet un élément neutre que l'on déterminera. Pour la deuxième question, il nous demande de montrer que I, menu de la loi étoile, est un groupe commutatif. Pour la troisième question, on considère deux ensembles H et K. H, c'est l'ensemble des nombres de la forme 2 à la puissance n qui s'écrivent sous la forme 2 à la puissance n avec n appartient à z. Et K est égal à 1 sur 1 plus 2 à la puissance n où n appartient à z. La première question montre que H est un sous-groupe de R étoile plus multiplié. Petit b, on considère l'application phi de h vers i qui à x va correspondre 1 sur 1 plus x. Montrer que phi est un homomorphisme de h menu de la loi multiplication vers i menu de la loi étoile. Et la dernière question, on déduire que k est un sous-groupe de i étoile. Voilà, c'est tout pour l'exercice de cet examen. A tout de suite pour voir la correction ensemble. إذن على بركة الله on corrige ensemble l'exercice. Alors on remarque que cet exercice il est similaire à l'exercice proposé lors de la session normale du même année. Presque les mêmes questions. Alors on se donne ici I un intervalle ouvert de bord 0,1 et on définit sur I une loi étoile de la manière suivante, quel que soit x, y appartient à I carré, x étoile y est égal à xy sur xy plus 1 moins x qui multiplie 1 moins y. Pour la question petit a de la question 1, il nous demande de montrer que étoile est une loi de composition interne dans I. Donc voilà, montrons que étoile est une loi de composition interne dans I. On prend un couple quelconque d'éléments de I et par définition de l'étoile qui est donnée dans l'exercice, on va s'assurer que ce résultat se produit par la loi étoile, il appartient à I, ça veut dire il est compris entre 0 et 1. Donc c'est ça le but de notre travail. Comme X appartient à I, Y appartient à I, alors on a X et Y sont tous les deux compris strictement entre 0 et 1. Pardon, X compris en strictement 0 et 1, Y compris en strictement 0 et 1. Alors je m'intéresse à X, Y et 1 moins X, 1 moins y, et puis xy plus 1 moins x et 1 moins y relativement au signe de ces nombres. Alors, on a ici un encadrement de x et un encadrement de y, puisque les quatre termes ici, les bornes de l'encadrement sont positifs ou nuls, alors on peut multiplier membre à membre, on obtient 0 inférieur à xy inférieur à 1. Ensuite, à partir de là, on multiplie par moins x, par moins on obtient moins 1, 0. En ajoutant 1, on obtient 0, 1. Ça veut dire 1 moins x, il est compris entre 0, 1 et idem pour 1 moins y. Alors on a x, y compris entre 0, 1. 1 moins x, il est positif. Et 1 moins y, il est positif. Donc 1 moins x qui multiplie 1 moins y, il est strictement positif. La voici. Et celle-là, en multipliant terme à terme, ces deux encadrements, on obtient 1 moins x qui multiplie 1 moins y, compris entre 0 et 1, et en ajoutant terme à terme à cet encadrement, on obtient 0 inférieur strictement xy, plus 1 moins x, 1 moins y, strictement inférieur. Nous, ce qui concerne pour l'instant, c'est la positivité. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire de xy sur xy plus 1 moins x et 1 moins y? C'est un rapport de deux termes positifs, donc il est strictement positif.
colonnante 1. Pour montrer que x, y sur x, y plus 1 moins x sur 1 moins y, qui met sur 1 moins y, il est inférieur à 1, on va calculer la différence. X, y sur x, y plus 1 moins x, qui met sur 1 moins y, moins 1. Alors, après réduction du dénominateur, on obtient c'est x, y, moins x, y, moins 1 moins x, qui met sur 1 moins y, sur x, y plus 1 moins x, 1 moins y. Ces deux termes sont opposés, donc il reste moins 1 moins x, qui met sur 1 moins y. Or, 1 moins x et 1 moins y est strictement positif, multiplié par moins strictement négatif, et ce dénominateur est strictement positif, donc cette quantité est strictement négative. Ça veut dire que xy sur xy plus 1 moins x qui multiplie 1 moins y, il est inférieur strictement à colonnante 2. Donc, d'après 1 et 2, on déduit que ce nombre est compris strictement entre 0 et 1, ça veut dire que x étoile y appartient à y. Donc, la loi étoile est une loi de composition interne donc. Pour la question petit b de la question 1, elle nous demande de montrer que étoile est commutative et associative. On commence par la commutativité. Alors, soit xy qui appartient à i, de nombre quelconque de i, on a x étoile y égale xy par définition sur xy plus 1 moins x qui multiplie 1 moins y. Or, on sait que la multiplication dont r est commutative, donc xy égale yx. Même chose ici. Et ici aussi, 1 moins x qui multiplie 1 moins y, c'est 1 moins y qui multiplie 1 moins x. Et cette quantité, ou bien cette expression, eh bien c'est y étoile x. Donc, et cela est vrai pour tout x quelconque. Y, bien sûr, xy quelconque. Donc, quel que soit xy appartient à y carré, x étoile y est égal à y étoile x. D'où étoile est commutative dans y. Pour la transitivité, prenons un triplé de forme de termes de x, y, z, de i, de i cube bien sûr, on a x étoile entre parenthèses y étoile z est égal x, alors la définition de y étoile z c'est y, z sur y, z plus 1 moins y qui multiplie 1 moins z, donc on a x étoile ce nom. Et d'après la définition aussi de la loi étoile, on obtient c'est x fois cette quantité, la voici, sur elle-même, plus 1 moins x qui multiplie 1 moins cette quantité. Alors remarquons ici qu'il y a une fraction, une grande fraction principale, de deux fractions. Et chaque fraction dénominateur et dénominateur, elle admet comme dénominateur même expression. Yz plus 1 moins y qui multiplie 1 moins z. Alors, on va simplifier par ce dénominateur de dénominateur dénominateur et de dénominateur du dénominateur de la fraction principale. Bien sûr, après réduction. Alors, on obtient x fois yz, voilà. Ici, c'est x fois yz, c'est x, yz. Plus, alors ici, on va réduire un dénominateur. Qu'est-ce qu'on obtient? 1 moins x qui multiplie yz plus 1 moins y qui multiplie 1 moins z moins yz. Voici. Or, yz moins yz disparaissent. Qu'est-ce qu'il reste? 1 moins y, 1 moins z qui doit être multiplié par 1 moins x. Donc, x, on obtient x, y, z sur x, y, z plus 1 moins x qui multiplie 1 moins y qui multiplie 1 moins z. D'autre part, x étoile y entre parenthèses étoile z, alors on suit le même traitement, même calcul. Il faut être attentif lors des calculs dans les structures algébriques. Il y a beaucoup de calculs, avec, surtout avec des lettres. Donc, il faut faire attention, il faut être vigilant pour ne pas en mettre d'erreur. Alors, on va trouver que c'est le même résultat. On conclut donc que, quel que soit x, y, z appartient à un cube, x étoile y étoile z entre parenthèses est égal à x étoile y entre parenthèses étoile z. D'où, étoile est associative dans. La question C, il nous demande de montrer que U étoile admet un élément neutre que l'on détermine. Donc, on cherche à déterminer s'il existe un élément E qui appartient à I qui vérifie cette relation, quel que soit x appartient à i, x étoile e est égal à x. En principe, c'est quel que soit x appartient à i, x étoile e est égal à e étoile x est égal à x. Mais, puisque l'étoile est commutative, on s'intéresse uniquement à une seule égalité. Alors, on a x étoile e est égal à x, par définition, c'est xe sur xe plus 1 moins x qui multiplie 1 moins e est égal à x. C'est équivalent à xe est égal à x qui multiplie cette quantité, c'est-à-dire x fois xe, c'est x carré fois e, plus x facteur de 1 moins x qui multiplie 1 moins 1.
Donc c'est xe, alors ce x carré e, on va la faire passer dans ce côté, on obtient xe moins x carré e. Et en développant ici. Donc 1 fois 1, c'est 1 fois x, c'est x. 1 fois moins e, c'est moins e fois x, c'est moins xe. Moins x fois 1, c'est moins x fois x, c'est moins x carré. Et moins x fois moins e, c'est xe, qui multiplie x, c'est x carré. Alors regardez ici, on a xe et x carré e des deux côtés. Donc on va les regrouper dans un côté. Donc on obtient xe plus xe. Moins xe, il devient ici plus xe. Xe plus xe, c'est 2 fois xe. Et moins x carré e, puisqu'ici plus x carré, il devient moins x carré e. Donc on obtient moins 2x carré e. Est égal, puisqu'elle reste, elle reste x et moins x carré. En factorisant par x, on obtient x facteur de 1 moins x. C'est équivalent. En factorisant ici par 2xe, le 2x, donc facteur de quoi? De 1 moins x est égal à x facteur de 1 moins x. On va diviser par x qui multiplie 1 moins x, puisque x qui multiplie 1 moins x, il est différent de 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est 2e est égal à 1, c'est-à-dire e est égal à 1 demi. Est-ce que 1 demi appartient à i? Oui, c'est un nombre qui est compris strictement entre 0 et 1. Donc, il existe un e qui est égal à 1 demi qui appartient à i, tel que quel que soit x appartient, et pour n'importe quel x, x étoile e est égal à e étoile x est égal à x. D'où i étoile admet un élément neutre, e est égal à 1 demi. Alors, pour le deuxième exercice, il nous demande de montrer que i étoile est un groupe commutatif. Alors, je rappelle, contexte, i étoile sera un groupe tout d'abord. Si la loi étoile est associative, tout élément dont i admet symétrique par rapport à étoile, et puis que étoile admet un élément neutre dans i, et tout élément dans i admet un symétrique par rapport à étoile. Et pour qu'il soit commutatif, il faut que étoile soit commutative. Or, d'après ce qui précède, on a déjà vu, on a montré que étoile est une loi interne commutative et associative. Donc j'ai souligné sur ces deux conditions. De plus, étoile admet un élément neutre qui est égal à 1 demi. Il appartient à i. Il reste maintenant à vérifier que chaque élément de i admet un symétrique. Voilà. Soit x appartient à i, cherchons s'il existe x' qui appartient à i, tel que x étoile x' est égal à 1 demi. C'est le neutre. En principe, est égal x' étoile x. Et grâce à la commutativité, on s'intéresse uniquement à une seule égalité. Alors, on a x étoile x' est égal à e. C'est équivalent, d'après la définition de étoile, c'est x' qui multiplie sur x' plus 1 moins x qui multiplie 1 moins x' est égal à 1 demi. Donc c'est équivalent à 2 fois x' sur 2x' est égal à cette quantité qui multiplie 1, c'est x' plus 1 moins x fois 1 moins x'. Donc c'est équivalent à 2x'. Alors x' moins x fois plus x', c'est x'. Moins x fois 1, c'est moins x, et moins x' fois 1, c'est moins x', et 1 fois 1, c'est plus 1. Alors, regarde ici, on a x' plus x', ça veut dire que c'est 2x'. On a ici 2x', donc ça donne 0. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Moins x' plus 1 est égal à 0. Donc, on s'intéresse à x'. Donc, on va faire passer moins x' dans l'autre côté, on obtient x' est égal à moins x plus 1. Il reste maintenant à s'assurer que moins x plus 1, il appartient à i. Ça veut dire qu'il est compris entre 0 et 1. Alors, on sait que x appartient à i, c'est-à-dire que x est compris entre 0 et 1. D'où, en multipliant par moins, en ajoutant 1, on obtient ici moins 1, 0. En ajoutant 1, on obtient 0, 1 moins x. Le moins x plus 1, ici 1. Donc, moins x plus 1, il appartient à i. Et en conclusion, pour tout x dans i, il existe x' dans i, tel que x étoile x' est égal à x' étoile x est égal à 1 demi. Méfiez-vous ici, lors de l'écriture de cette proposition avec le quantificateur. On a quel que soit x, il existe x'. C'est-à-dire, pour chaque x, il y a l'existence d'un symétrique. Ce n'est pas la même chose pour l'existence d'un élément neutre. Donc, ça veut dire quoi? Que tout élément de i admet un symétrique dans i. Et cela veut dire que i étoile est un groupe commutatif. Maintenant, la troisième question
on considère deux ensembles H et 2 à la puissance n tels que n appartient à Z, et K est égal à 1 sur 1 plus 2 à la puissance n tels que n appartient à Z. Montons que H est un sous-groupe de R étoile plus multiplié. Tout d'abord, remarquons que H est le nom vide. Il existe au moins un élément qui appartient à H. Prenons n égal à 0, 2 à la puissance 0 c'est 1, et il appartient à H. Deuxièmement, H elle est inclus dans R étoile plus, donc elle est constituée de nombres réels. Ce sont des puissances de n qui sont positives, donc ce sont des réels strictement positifs. Donc H elle est non vide, elle est inclus dans R étoile plus. Soit xy appartient à H et y moins 1, ici je mets y moins 1, c'est l'inverse, le symétrique, relativement à la loi multiplication, on l'appelle inverse. Et le symétrique par rapport à l'addition, on l'appelle l'opposé. Par exemple, par rapport à l'addition, le symétrique de A c'est moins A. Et l'inverse de A c'est A moins 1, bien sûr, lorsqu'il existe. Or, dans R étoile plus, multiplié, chaque élément admet un symétrique, c'est y moins 1. Donc, soit y moins 1, l'inverse de y dans R étoile plus multiplié. Comme x, y sont dans H, alors ils s'écrivent de la forme des puissances de 2. Donc, il existe n, m dans z carré, tel que x est égal à 2 à la puissance n et y est égal à 2 à la puissance m. Donc, x fois y à la puissance moins 1, c'est 2 à la puissance n fois 2 à la puissance m moins 1. C'est-à-dire, c'est 2 à la puissance n fois 1 sur 2 à la puissance n, qui est égal à 2 à la puissance n sur 2 à la puissance m. Et ce rapport des deux puissances qui ont même base 2, il s'écrira sur la forme, c'est 2 à la puissance n moins m. Et comme n appartient à z et m appartient à z, alors n moins z, n moins m appartient à z. Donc, x composé à y moins 1, il appartient à h. Donc, on a ces deux conditions sans vérifier. C'est la caractérisation d'un sous-groupe. On déduit donc que H est un sous-groupe de R étoile plus multiplié. La question petit b, soit phi, une application de H vers I qui à X faut correspondre 1 sur 1 plus X. Montrons que phi est un homomorphisme de H multiplié vers I étoile. Pour cela, prenons un couple XY qui appartient à H. On a d'une part phi de x fois y, par définition, c'est 1 sur 1 plus x fois y. D'autre part, phi de x fois phi de x c'est 1 sur 1 plus x, fois 1 sur 1 plus y. Or, le composé par la loi étoile de ces deux nombres, c'est 1 sur 1 plus x qui multiplie 1 sur 1 plus y, sur 1 sur 1 plus x, qui multiplie 1 sur 1 plus y, plus 1 moins 1, moins 1 sur 1 plus x, facteur de 1 moins 1 sur 1 plus y. Alors remarquons ici, lorsqu'on effectue le produit, on trouve comme dénominateur ici, c'est 1 plus x qui multiplie 1 plus y. Et ici, dans ce dénominateur de cette fraction principale, on va avoir 1 plus x qui multiplie 1 plus y comme facteur, comme dénominateur commun. Donc on va réduire et simplifier par 1 plus x qui multiplie 1 plus y. Donc qu'est-ce qu'il reste? 1 fois 1, c'est 1. Ici, 1 fois 1, c'est 1. Ici, on réduit, donc on obtient 1 plus x moins 1 qui multiplie 1 plus y moins 1, qui est égal à 1. Alors, 1 plus x moins 1, c'est x. 1 plus y moins 1, c'est y. Donc, elle est égale à 1 sur 1 plus x, y. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a égalité entre phi de x qui multiplie y et phi de x étoile phi de y. Et cela pour tout x, y qui appartient à h carré. Le couple, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi est un homomorphisme de H multiplié vers I étoile. Déduisons que K est un sous-groupe de I étoile. Alors, la remarque que je vais faire ici, on n'a pas parlé de K nulle part dans les questions précédentes. On parle de K lorsqu'on a montré que phi est un homomorphisme. On veut montrer que K est un sous-groupe de I étoile. Mais d'après ce qu'on a trouvé dans cette question, on a phi est un homomorphisme de H multiplié vers I étoile. Et comme H multiplié est un sous-groupe
de I étoile, on a déjà montré ça. Alors, phi de H, menu de la loi étoile, est un sous-groupe de I étoile. Donc c'est une propriété déjà vue dans le cours. Alors je reprends, puisque H, menu de la multiplication, est un sous-groupe de I étoile, alors l'image de H par l'homomorphisme, menu de la loi étoile de l'ensemble dérivés, est un sous-groupe de I étoile. Alors, puisqu'on a phi de H étoile est un sous-groupe de I étoile, et dans la question nous demande de K est un sous-groupe de I étoile, ça veut dire qu'il suffit de montrer que phi de H est égal à K. C'est le travail qu'on va faire. Or, phi de H, c'est quoi phi de H? C'est l'ensemble des éléments de la forme phi de X tel que X appartient à H. Or, phi de X par définition, c'est 1 sur 1 plus X. Donc, c'est l'ensemble des nombres de la forme 1 sur 1 plus X tel que X appartient à H, ça veut dire X est égal à 2 à la puissance N avec N appartient à 0. Donc, au lieu de laisser ici X, on va remplacer X par 2 à la puissance N. Donc, c'est égal à 1 sur 1 plus 2 à la puissance N tel que N appartient à 0. Et cet ensemble n'est que K. Et voilà, le tour est fait. Donc, K étoile, menu de la loi étoile, est un sous-groupe de I étoile. Voilà, c'est tout pour cet exercice. N'hésitez pas à me proposer des propriétés, des questions, des astuces que vous ne maîtrisez pas dans votre préparation de baccalauréat. Je serai à l'écoute et je vous prie de bien partager ces vidéos et d'inciter vos collègues, vos camarades de s'abonner dans ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Bon courage et à une autre vidéo, Inch'Allah.